moins de quelques heures du giga concert de la diva Ivoirienne Josée, Josée ne cesse de faire parler d'elle sur la scène du showbiz. Direction la Côte d'Ivoire, avant son giga concert, Josée reçue par la ministre Kaba Nyali, voici enfin la vidéo triomphale de l'arrivée de la diva Ivoirienne Josée au Palais de la Culture de Trècheville. Josée met un giga saut au Palais de la Culture de Trècheville pour son giga concert du 11 février 2023. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. La compagne de l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Josée a été reçue en audience en ce matin, 11 février 2023, par la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nyali. Josée chez la ministre Kaba Nyali, après un franc succès de son dernier conseil, le 26 juin dernier, Josée remet le couvert au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody le 17 décembre prochain. Josée a remis le couvert en ce 11 février 2022 au Palais de la Culture de Trècheville. Ce conseil inédit qu'offrira la dulcinée de l'ex-footballeur ivoirien international, Serédi Zifreux, est placé sous le signe de la Renaissance. J'ai hâte qu'on puisse partager cette expérience encore une fois ensemble. Belle expérience dernière. Je suis sûr qu'elle sera encore. Sur nous, les chrétiens, on dit la gloire de la première sera plus grande que la deuxième. C'est sur les mots que je me base pour dire que le conseil sera extraordinaire. Mon challenge, ce n'est pas de remplir la salle. Mon salon, ce n'est pas de remplir la salle du Palais de la Culture de Trècheville. Ce n'est pas de remplir la salle, mais de livrer un spectacle inédit, exceptionnel et inoubliable en Côte d'Ivoire, a-t-elle déclaré dès son arrivée au Palais de la Culture de Trècheville, en prélude à ce concert. En ce concert qui se déroulera en ce 11 février 2022, la chanteuse et son amoureux, après l'audience du mardi dernier, la première dame Dominique Ouattara était lundi. Déni, la ministre Kaba Nyali. J'ai profité de cette occasion pour encourager et féliciter Nyakou Josée Prisson de son vrai nom à l'état civil, que j'admire particulièrement pour la qualité de son travail, a soutenu la patronne du ministère du Plan et du Développement. Les tickets sont disponibles dans toutes les librairies de France, à Cap Nord, Cap Sud, à 50 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, 100 000 francs CFA et 150 000 francs CFA. Tout savoir sur l'artiste ivoirienne Josée, qui ne cesse d'alimenter la toile. Josée ne cesse d'alimenter la toile en ce 11 février 2023 avec son giga concert au Palais de la Culture de Trècheville. Josée, de son vrai nom, Nyakou Priscille Josée, une chanteuse et auteure-compositrice ivoirienne, abordant un style musical entrecoupé décalé afro-zouk, R&B, contemporain, musique soul et afro-dance, qui est le mari de la diva ivoirienne Josée. Beaucoup de personnes se posent toujours la question sur son mari. Invité sur le plateau d'une scène de télé-réalité ivoirienne, Serédi Zifreux a indiqué qu'il était en couple avec l'artiste ivoirienne Josée et que cette dernière était officiellement sa compagne. Rappelons que l'ancien joueur international ivoirien Serédi Zifreux s'est attribué la paternité de ce nouvel enfant de Josée lors de son passage dans un média ivoirien télé-réalité. L'international a annoncé sa relation amoureuse avec l'artiste ivoirienne Josée. L'artiste ivoirienne Josée, de son vrai nom, à état civil, Nyakou Josée Prisson, née le 29 juin 1990.
Rappelons aussi qu'en janvier 2015, José sort Diplôme, son titre à succès, qui se range dans le genre musical du coupé décalé, qui compte plus de 5 millions de vues sur YouTube, qui lui vaudra le surnom d'avocate des femmes. José s'invite à nouveau sur le marché musical avec un nouveau projet, Phoenix. Il est une version courte d'un album abordant un style musical entrecoupé décalé, afro-zouk, R&B contemporain, musique soul et afro-dance.